بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار معرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات الخربات إخوان في الله تبارك وتعالى يا أختنا كرامة والسلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, on va remercier Allah Jalla wa Ala wa Tabarak wa Ta'ala wa Jalla fi Ula huwa al-fatiru samawati wa l'ardu. Allah Tabarak wa Ta'ala qui a fait de nous ses créatures. Allah Jalla wa Ala qui a fait de nous ses serviteurs. Allah Tabarak wa Ta'ala qui nous a réunis autour de cette parole de bien, autour de cette assise de dîme. Remercie Allah Jalla wa Ala, Allah Tabarak wa Ta'ala qui nous donne la possibilité de nous parfaire dans notre din, d'améliorer ainsi notre relation avec Allah Tabarak wa Ta'ala et de préparer ainsi notre rencontre avec Allah et de faire en sorte que lui Allah Jalla wa Ala il nous compte du nombre de ceux-là qui seront réjouis Yawm al-Talaq, Yawm al-Haq, Yawm al-Qiyam. Ya Ukhtana Kirama, Ahabbati al-Kiram. Avec l'aide d'Allah Jalla wa Ala, Allah Tabarak wa Ta'ala nous a donné le Coran. Mais en plus de nous donner le Coran, Allah nous a donné le Din. Et un Din, c'est une ligne de conduite, un code de vie, une moralité, une éthique, une manière d'être. Et Allah Jalla wa Ala, wa Tabarak wa Ta'ala, il nous a parlé énormément à propos de ce Din-là. Comme a qala Jalla fi Ula, Allah l'a dit, Wallahi l'Azim, fait surat al-Nisa au verset 26, si j'ai bonne mémoire. Allah tabarak wa ta'ala, il dit, Yuridu Allahu li yubayyina lakum, wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum, wa yatuba alaykum, wallahu alimun hakim. Kama qala jalla fi ula. Allah tabarak wa ta'ala, il connaît l'homme, le Banu Adam. Il sait qu'à un moment donné, l'homme, il va se dire que tiens, ce dîne-là, cette religion-là, l'empêche de vivre et on entend ça beaucoup. Aujourd'hui, on voit des frères et des sœurs qui trouvent que les règles de notre dîne, vraiment, il y en a trop et elles ne sont pas libres, elles n'arrivent pas à mener leur vie amoureuse, n'est-ce pas, comme la majeure partie des jeunes filles de leur époque, mashallah. Et on entend aussi des frères qui disent Allahu Akbar, hein, j'aime cette sœur, Allahu Akbar, je veux, mashallah, faire d'elle mon épouse. Mais en un mot, je vais entretenir une relation avec elle petit à petit et ainsi jusqu'au mariage. Mais souvent, quand il discute avec certains ulamas, certains savants, il a l'impression que l'islam l'interdit en un mot de s'épanouir sur la terre d'Allah tabarak wa ta'ala. Alors Allah Jalla wa Ala qui connaît mieux nos situations, Allah nous dit dans ce haya, Yuridu Allahu li yubayyina lakum. Allah dit, moi Allah, je veux vous éclairer à travers le din. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبِلِكُمْ. Allah dit, moi Allah, un, je veux vous éclairer. Et deux, moi Allah, tabarak wa ta'ala, je veux vous guider et vous mettre sur la sunna, le chemin de ceux qui sont passés avant vous. Allahu Akbar. Ces personnes-là qui sont passées avant vous, qui ont pu avoir l'amour d'Allah, la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala, la réussite fi dunya wal akhirah, moi Allah, tabarak wa ta'ala, je vous ai accordé le din pour que vous puissiez vous retrouver sur le chemin de ceux-là. Faites pas que eux ils soient gagnants et vous vous soyez des perdants. Yuridu Allahu li yubayyina lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatuba alaykum. Allah dit, troisièmement, moi Allah, à travers ce din, je vais accepter votre repentir. Allahu Akbar. Wallahu alimun hakim. Car moi Allah, je suis rempli de science et de sagesse. Cela veut dire de façon claire, Wallahi l'Azim, que le din qu'Allah nous a tracé, Wallah, ce n'est pas pour nous pourrir la vie.
Le din d'Allah, c'est pas pour rendre notre vie invivable. Wallahi l'aradim. Le din d'Allah, wallahi l'aradim, c'est pour qu'on puisse réussir notre vie. Fi dunya wal akhira. Wallahi l'aradim. Et vous allez lire constamment dans le Coran. Allah Jalla wa Ala, il attire beaucoup notre attention sur un fait. Et ce fait-là, c'est quoi? Allah dit constamment, Wallahu alim, Wallahu alim, Wallahu alimun hakim. Pour que l'homme, il comprenne que Wallahi l'aradim, lui, Allah Jalla wa Ala, il sait plus que lui. Et que lui, Allah Tabarak wa Ta'ala, il a une connaissance illimitée de la situation du Banu Adam. Et que lui, Allah Jalla wa Ala, il sait avec exactitude qu'est-ce qui est meilleur pour l'homme et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà pourquoi parmi les tout premiers versets qu'Allah Jalla wa Ala a donné à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a dit Alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. L'homme, avant de suivre les ordres d'Allah, faut qu'il accepte avec le cœur que Allah sait plus que moi, que Allah sait ce qui est meilleur pour moi. Raison pour laquelle je dois délaisser cette mode que je vois. Ma référence, ce n'est pas la mode d'aujourd'hui. Ma référence, ce ne sont pas, si vous voulez, ash-shahwa, mes passions. Ma référence, ce ne sont pas mes désirs. Ce ne sont pas les soeurs qu'il y a autour de moi. Wallahi l'aradim. Ma référence, ce sont les ordres d'Allah et la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors wallahi l'aradim, on se pose une question. Est-ce que dans nos rapports hommes et femmes, lui Allah jalla wa ala, ne nous a-t-il pas donné des orientations à suivre? As-sabili al-mu'mini, as-sirat al-mustaqim. C'est ça la grande question. Alors nous, on va parler de cela en quelques minutes, bismillah. Je devais être avec vous au moins pendant une heure. Mais j'ai négocié, parce que j'ai une conférence juste après vous à Yopougon. Et on m'attend là-bas. Et donc je ne pourrai pas être là pendant une heure. On va faire l'effort de condenser la conférence en 45 minutes ou 50. Mais le plus important, ce n'est pas de parler pendant une heure, mais c'est de comprendre. Wallahi l'aradim. Masha'Allah. Allah tabarak wa ta'ala, wa jalla wa ala wa jalla fi'ula. Lorsqu'il a créé l'homme, le Banu Adam, il a donné à l'homme ce qu'on appelle al-qalb, le cœur. Naam. Et ce cœur-là, il a, si vous voulez, une vie à lui tout seul. Naam. Ce cœur-là, il a une vie à lui tout seul. Et la vie que ce cœur-là mène a un impact automatique sur quoi? Sur tous les organes de l'homme et la vie de l'homme. Et même sa réussite fi dunya wal akhira. Wallahi l'aradim. A tel enseigne qu'Allah Jalla wa Ala wa Tabarak wa Ta'ala, il nous a informé que notre réussite fi dunya wal akhira est liée au contenu de ce cœur-là. A tel enseigne que yawm al-talaq, yawm al-haq, Allah Jalla wa Ala, il a dit Yawma tubula sara'ir, le jour où les cœurs vont dévoiler leur contenu. Et nous, on vit une époque aujourd'hui où on a beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs qui disent qu'ils sont amoureux. Ça revient beaucoup, hein. Si on parle de relation en mariage, c'est qu'on parle d'amour, mashallah. On entend des sœurs et des frères qui disent vraiment, moi, j'aime ce frère, Allahu Akbar. Et il m'a promis le mariage, Allahu Akbar. Et vraiment, je lui ai demandé, ah, mais quand est-ce qu'il peut me marier? Et le frère, il dit, subhanallah, actuellement, je suis en classe de terminale. Je vais d'abord avoir le bac, Allahu Akbar. Après le bac, mashallah, je fais la première année, la deuxième année du BTS. Ensuite, je vais voir mes parents, Allahu Akbar. Je vais discuter avec eux, mashallah. Et si j'ai pu avoir un stage, la première année, deuxième année, dès que je commence à travailler, tu deviens ma femme. Allahu Akbar. Ça veut dire que la sœur, elle doit patienter au moins 4 ans. Mais elle patiente parce que le frère lui dit, je t'aime. C'est pas vrai? Et elle aussi, elle dit, je l'aime. Et comme je l'aime, ma vie, ça doit être avec lui. C'est pas ça? Ma vie, ça doit être avec lui. Parce que je l'aime. Et comme je l'aime, il n'y a rien à dire. Mon bonheur, c'est avec lui. Et avec personne d'autre. Elle a dit, il se pourrait que dans votre vie, vous ayez de la repulsion. Vous détestez certaines choses. Il y a des choses que vous n'aimez pas. Il y a des choses que vous détestez. Mais Allah, il dit, wa huwa khayrun lakum. C'est dans ces choses que vous détestez le plus que mon Allah, j'ai placé votre bien. Allah. Wa asa an tuhibbu shay'a. Et il peut arriver que vous aimez des choses. Vous êtes attaché à ces choses.
Je ne peux pas vivre avec une autre personne. Je ne vis qu'avec lui. C'est lui que j'aime. Mon cœur, il est attaché à ce frère. Je ne peux pas dormir si je n'ai pas entendu sa voix. Ma vie, c'est avec lui. Je l'aime à mourir. Masha'Allah. Mais Allah, il dit, wa huwa sharrun lakum. Mais moi, Allah, j'ai placé votre mal dans cette chose. Allah. Hein? Wallahu ya'lam. Sachez que c'est moi, Allah, qui suis savant. Vous ne savez rien. Wa antum la ta'lamun. C'est moi qui sais. Vous ne savez rien. Wallahi l'adhim. Vous ne savez rien. Wallah, à travers ce haya, Allah il nous montre, Wallah, quand il dit que lui, Allah, Jalla wa Ala, il se pourrait qu'on déteste des choses pendant que lui, Allah, il a mis notre bien dans ces choses. Allah nous montre que Wallah, le cœur, il peut aimer la mauvaise personne. Ça, c'est une certitude. Voilà pourquoi là, il dit wa sa antuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Il se pourrait que tu aimes des choses, Masha'Allah, mais moi, Allah, j'ai mis ton mal là-dedans. Tu as aimé la mauvaise personne. Tu as aimé la mauvaise personne. Ça ne veut pas dire à ce moment-là que dès que mon cœur est amoureux d'une personne, c'est avec lui que je serai heureux. Et mon bien, il est avec lui. C'est faux. Allah. Asan taqrahu shay'a wa huwa khayrun lakum. Kama qala jalla fi 'ala. Taqrahu shay'a wa huwa khayrun lakum. Elle a dit, Wallah, ces choses que vous détestez, il se pourrait que moi, Allah, j'ai mis votre bien dans cette chose. Aujourd'hui, nous, on juge sur des sentiments. Ça suffit pour qu'on soit heureux. Il y a combien de sœurs qui ont aimé des frères? Et à cause de l'amour qu'elle a voué à ce frère, elle s'est retrouvée dans le haram, dans Al-Zina. Il y a combien de sœurs qui ont donné leur cœur à des frères? Et à cause de l'amour qu'elle portait à ce frère, Wallah il a radim, elle a détruit sa relation avec Allah Jalla wa Ala. Elle s'est éloignée d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Il y a combien de sœurs qui ont aimé des frères? Et à cause de cet amour, elle a été traînée dans la boue, bafouée. Elle a perdu son honneur et elle a tout perdu auprès de ses parents et auprès d'Allah Jalla wa Ala. Combien de fois l'amour qu'on a porté à certaines personnes nous ont fait perdre l'amour d'Allah fi dunya wal akhirah? Combien de fois on a aimé des gens parce qu'ils nous ont promis le mariage dans 4 ans. On a délaissé les principes du din. On a délaissé les ordres d'Allah Jalla wa Ala. Et Allah s'est éloigné de nous. Et on a été humilié et rabaissé. Et on a tout perdu. Jusqu'à quand on va ouvrir les yeux et savoir que Wallah, notre bien, se réside seulement dans le fait d'accepter les ordres d'Allah et de se conformer à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Pourquoi on va primer l'amour pendant qu'Allah il nous dit, hein, qu'on peut aimer des gens, mais notre mal se trouve avec eux? Il y a des amours, Wallah, il y a un amour. Si tu ne le canalises pas, il devient ton plus grand mal. Parce qu'il va t'humilier, yawm al-qiyam. Cet amour-là sera la cause de ton rabais. Fid dunya wal-akhira. Wallahi l'adhim. Il y a combien de sœurs qui étaient étudiantes? À travers l'amour qu'elle avait pour un frère, le frère il a mis enceinte. Elle a été humiliée et rabaissée. Elle a arrêté ses études, elle a tout perdu. Elles sont combien? Hein? Il y a combien de sœurs qui ont donné tout leur amour à des frères? Le frère, il lui a promis le mariage dans 4 ans. Elle a attendu 1 an, 2 ans. Elle vient chez lui à la maison. Elle salue maman. Ah, bonjour maman. Maman dit, comment tu vas ma belle? Elle salue ceci ou cela. Elle se voit déjà comme une sœur mariée. Allahu Akbar. Et au bout de 1 an, 2 ans, le frère commence à travailler, il a un stage, et Allah il fait qu'il rencontre une autre sœur dans son entreprise. Et cette sœur-là, elle est meilleure que toi, elle est plus belle que toi, elle sait lire le Coran, elle est attachée à la sunna. Et le frère il te dit, vraiment je t'aime bien, mais vraiment cette sœur-là, c'est elle que je vais épouser. Et la sœur elle dit, tu m'as trahi. Il t'a pas trahi. Wallah, il t'a pas trahi. Il t'a pas trahi. Wallah, il t'a pas trahi. C'est toi-même qui tu t'es rabaissé. Tu as oublié les ordres d'Allah. Et le shaytan, la'anatullahu ta'ala alayhi, il t'a ramené au plus bas de ce qui est bas. Wallah. Wallah il a dit. Les relations hors mariage, dans notre dîme, c'est haram. Dans notre dîme, c'est haram. C'est haram. Je vais te marier dans 4 ans. C'est haram. Ça, je vous le dis. Je ne tourne même pas autour du pot. Il est prêt à t'épouser, ok. Il n'est pas prêt actuellement, ne lui donne aucun engagement, rien du tout. Wallah il a dit. Parce que comme l'a dit Allah, Wallahu ya'alam wa antum la ta'alamoun. C'est Allah qui sait, toi tu ne sais rien de demain. Ça ne sert à rien de lui donner un engagement aujourd'hui.
Et tous ceux qui viennent te demander un mariage, non, je ne veux pas, non, je ne veux pas. J'ai donné mon engagement à ce fait. Allahu Akbar. Et souvent, je le dis à chaque fois dans mes conférences. À cause de ces frères-là, ceux qui veulent se marier ne peuvent plus se marier. C'est vrai. Parce qu'il va voir la soeur, il lui dit, je vais te marier dans 4 ans. Il est en terminale. Mais il a déjà réservé une soeur qui va épouser dans 4 ans, mais dans 5 ans. Maintenant, le frère, lui, qui est prêt à se marier, lui, il va voir la soeur. La sœur, elle lui dit, je ne peux pas. Allahu Akbar. Je ne peux pas. À cause de lui, le frère, il ne peut pas se marier. Allahu Akbar. Voilà mes sœurs. Voilà mes frères. C'est haram. C'est haram. Je vais vous expliquer pourquoi c'est haram. Alhamdulillah, on a encore du temps. On a beaucoup de temps. Je vais vous expliquer pourquoi c'est haram. Parce qu'on entend beaucoup de choses. On entend même des gens qui disent, dans des soi-disant associations qui prônent le dîme, il n'y a pas de mal à cela, de se donner des engagements pendant qu'on n'est pas prêt. Allahu Akbar. Je vais vous démontrer pourquoi c'est haram. Non. Allah Jalla wa Ala wa Tabarak wa Ta'ala, il dit, voilà, taqrabu zina. C'est ce qu'il a dit, non? La taqrabu zina. Allah, il n'a pas dit ne forniquez pas. Allah, il a dit quoi? Ne vous approchez pas de la fornication. Lorsqu'Allah, il a décrit les croyants dans le Coran, Allah, il a dit tabarak wa ta'ala wa la yaznou. Allah dit ceux-là qui sont mes serviteurs, voilà, ce ne sont pas des fornicateurs. Ce ne sont pas des fornicateurs. Lorsqu'Allah, il a parlé de ceux-là qui auront un grand pardon le jour de la résurrection. Allah, il a dit, Inna al-muslimin wal-muslimat, wal-mu'minin wal-mu'minat, wal-qanitin wal-qanitat, wal-sadiqin wal-sadiqat, wal-sabirin wal-sabirat, wal-khashi'in wal-khashi'at, wal-mutasaddiqin wal-mutasaddiqat, wal-sa'imin wal-sa'imat, wal-hafidhin furujahum wal-hafizat. Allah dit, ceux-là qui vont réussir le jour de la résurrection. Allah dit, moi, Allah, je leur ai confié une chasteté. Et ils ont été les gardiens de leur chasteté jusqu'à ce qu'ils me rencontrent. Ils ne l'auront plus que dans le halal. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Allahu Akbar. Allah, il a dit la taqrabu zina. Vous allez bien comprendre. Vous n'avez rien compris dans le verset. Si vous aviez compris les engagements de 4 ans, de 3 ans, là, vous n'allez pas vous mettre là-dedans. Je vais vous expliquer. Zina. Imaginons que ça c'est le gobelet. Bon, la petite bouteille. Moi je suis là, je suis arrêté là. J'ai dit à mon fils, ne touche pas à ça. Ça veut dire que même s'il s'est arrêté ici, c'est pas grave. Même s'il s'est arrêté là, c'est pas grave. Même s'il a un millimètre, c'est pas grave. Mais s'il touche, c'est grave. Non. Maintenant, je dépose la bouteille là. Et puis, je lui dis, la taqrabu, ne t'approche pas. Ça veut dire quoi? S'il a fait un pas, je le châtie. Il m'a désobéi. S'il a fait un pas, il s'est rapproché. Dès qu'il a fait un pas, il m'a désobéi. Il m'a désobéi. Je vais vous dire quelque chose. Le fait de se rapprocher de la fornication, ce n'est pas physiquement. Ça commence d'abord par l'état du cœur. Voilà pourquoi j'ai parlé de cela. Quand Allah il a dit, « وَعَسَىٰ أَن تَقْرَبُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » Voilà pourquoi j'ai évoqué ce verset. Allah il dit, « Ce pourrait que tu détestes des choses, mais attends bien là-dedans. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا Il se pourrait que tu aimes des choses, mais il y a ton mal dedans. Le fait de se rapprocher de la fornication, ça commence d'abord par l'état du cœur. Pourquoi? Plus on aime une personne, plus on aime sa compagnie. C'est pas vrai? C'est vrai, non? Plus on aime une personne, plus on veut entendre sa voix. On ne peut pas dormir s'il ne nous dit pas salam alaykoum. Plus on aime une personne, on devient faible. On devient faible. On peut refuser beaucoup de choses à certaines personnes, mais lui, on ne peut pas.
Souvent, les choses qu'il nous demande, tu es assis à un mètre, il dit, mais approche-toi. Si c'est un autre frère, là, il lui dit, non, non, non. Allah, il dit de garder la distance. Mais comme je l'aime, bon, je vais m'approcher un tout petit peu. C'est pas vrai? Plus on aime, hein, on veut garder le contact, on veut garder la communication, c'est pas vrai? On veut passer beaucoup de temps avec cette personne, on veut même être en intimité avec lui. Le jour où on est avec lui, si notre petite soeur est là, qu'elle fait trop de bruit, ça nous gêne. On veut être avec lui, lui et moi et personne d'autre. C'est pas vrai? Non. Et plus on aime, on a peur que cet amour il diminue. On veut qu'il reste comme ça ou bien qu'il augmente. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va nourrir cet amour-là. On va le nourrir pour qu'il grandisse. Il grandit. Faut pas qu'il s'affaisse. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Si tu aimes le frère il te dit, bon, là je suis aux premières années ou bien je peux me marier que dans 4 ans. Du fait que tu l'aimes, un, tu vas aimer sa compagnie. Deux, tu ne vas passer une journée sans entendre sa voix. Le jour où il ne t'appelle pas, c'est la bagarre. C'est pas vrai? S'il t'appelle le soir, il faut que vous causez jusqu'à minuit ou 1 heure du mat. Sinon, c'est pas bon. Là, ou Akbar. En plus de cela, tu aimes sa compagnie, mais il y a une crainte que tu as. Tu ne veux pas que cet amour-là puisse disparaître. Tu veux qu'il y reste. Jusqu'à ce que il te marie, ou bien qu'il augmente. Pour que l'amour reste, ou bien pour que l'amour il augmente, tu dois l'entretenir. Un amour, il ne s'entretient pas avec la distance. Hein? Il ne s'entretient pas avec les injures. Un amour, il s'entretient avec la proximité. Avec les appels téléphoniques de nos jours. Hein? Avec les sorties, on va prendre une glace. La sœur, elle est là, le frère, il est là. Ah, comment tu vas? Alhamdulillah, baisse la tête. Elle sourit un peu, ça va bien? Oui, alhamdulillah. Ah, t'as pas mangé ta glace? Oui, alhamdulillah. Allah nous pardonne. Hein? Vous allez commencer à entretenir cet amour-là. Voilà. Vous allez l'entretenir. Non. Vous allez aimer la compagnie de ce frère. Vous allez passer du temps avec lui au téléphone. À partir de ce moment-là, cet amour, il va commencer à grandir. C'est pas vrai? Il grandit. La manière dont il aimait le mois passé, là, puis ce mois-ci, ça a doublé. Il dit à ta soeur, ah, vraiment le frère, là, vraiment, je l'aime trop. Hein? 2 mois, 3 mois après, vous vous appelez, ça augmente. Là, au Akbar. Alors, il dit, cet amour-là, t'as pas fait attention, il te conduit tout droit en enfer. Là, voilà. À un moment donné, l'amour, il atteint le niveau 100. Hein? Plus rien faire sans lui. Souvent même à cause de lui, on déshonore nos parents. Allahu Akbar. Maman dit, reste à la maison m'aider. Ah, maman, vraiment, je viens. On a une conférence, c'est faux. Elle n'a pas une conférence. Allahu Akbar. Elle sort avec le frère. Ils vont rendre visite. Si elle a une conférence à la mosquée, elle dit, elle ne vient pas. Si le frère dit, on va ensemble, elle est prête et elle est partante. Allahu Akbar. On va entretenir cet amour, il va grandir. Plus cet amour va grandir, plus on aime une personne, on se sent faible face à lui. C'est pas vrai? Hein? C'est difficile de lui dire non. C'est vrai? On se sent faible. Si on a entretenu un amour pendant 1 an, 2 ans, et qu'aujourd'hui on se sent faible, on aime sa proximité, on aime être avec lui. Je vous pose une question. Cet amour qu'on a entretenu là, il nous a rapprochés de la fornication ou bien il nous a éloignés? Répondez à ma question. Si vous ne répondez pas, je sors. Oui. Cet amour qu'on a entretenu, il nous a rapprochés de Azina ou bien il nous a éloignés de la fornication? Plus on l'aime, on se rapproche, on devient faible, on s'appelle constamment, on aime sa compagnie. Ça nous rapproche de Zina ou bien ça nous éloigne? Dites-moi, sincèrement. Ça nous rapproche. Ça nous rapproche. Si cet amour entretenu nous rapproche de Azina, et qu'on s'est retrouvé là, on a obéi à Allah ou on a désobéi? On a obéi ou on a désobéi? On a désobéi. Ah, bah. Quand on désobéit à Allah, Allah il fait quoi? Il nous châtie, mais il met la baraka dans notre vie. Il nous châtie. Alors pourquoi? C'est haram. C'est haram.
c'est haram. Il n'y a pas de débat là-dessus. Tu es prêt? On peut t'aider. Tu n'es pas prêt? Il faut jeûner, mon frère. Non. C'est le prophète qui a dit, il faut jeûner. Fais le sport. Baisse le regard. Tu n'es pas prêt? Parce que si tu n'es pas prêt, qu'on te propose une femme, tu vas l'aimer. Si tu l'aimes, tu vas entretenir cet amour. En l'entretenant, ça te rapproche de Zina. On t'a aidé à désobéir. On a été des alliés de Shaytan. On a désobéi à Allah. Point bas. Toutes ces sœurs, tous ces frères qui mettent des sœurs et des frères en contact, pendant que le frère il te dit, je vais l'épouser dans 4 ou 7 ans, Wallah, tu rendras compte au Qiyamah. Parce qu'à chaque fois qu'elle va dépasser la limite, quand Allah va lui demander, pourquoi tu étais avec ce frère, pourquoi tu as dépassé la limite, elle dira, parce que je l'aimais. Qui vous a mis en contact? C'est notre amir de l'association. Tu rencontres, Wallah, il n'y a rien à dire. Les croyants, ils se soutiennent mutuellement à pouvoir faire face aux ruses de Shaytan. Mais les croyants, ils ne se soutiennent pas pour être de plus en plus faibles face à Shaytan. C'est pas faisable. Wallah, c'est pas comme ça.